aussi en fait la femme, comme stratégie marketing, c'est promoteur de l'événement qui va se faire en 2020. C'est un événement créé par la coordination des Africains sensibles à la question de la femme dans le développement durable. Nous restons convaincus que le meilleur moyen de servir la cause du développement durable, c'est la femme. La présence de la femme, le service de la femme, l'engagement de la femme. Parce que la femme, c'est la valeur africaine. Et les sociologues disent que la femme en Afrique, c'est elle qui porte et l'environnement et le développement durable. Vous savez que c'est la femme qui nourrit donc la famille, qui éduque les nations. En Afrique, c'est la femme qui s'occupe de l'eau, c'est la femme qui s'occupe de tout ce qui est ordure et gestion des déchets, y compris les eaux. Donc on estime que si la femme est sensible sur ces questions, mais mieux, si la femme se met dans la danse pour sensibiliser la communauté, nous sommes convaincus que nous aurons beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de performance. Mais le plus important, c'est qu'il faut que les problématiques de développement durable descendent jusqu'au plan local. Et donc, si ce dossier est porté par la femme, elle saura s'organiser, elle saura faire descendre ce dossier. Et la Green Lady, comme je l'ai dit, lorsqu'elle sera élue dans chaque pays, sa mission sera de faire en sorte que les régions, les départements, les communes et les localités, on est dans chacune de ces localités une personne qui est désignée comme point focal pour faire la promotion. Et je pense que sur ces lignes, nous avons plus de valeur et plus de performance. C'est pour ça que pour nous, la femme, c'est le meilleur cheval pour promouvoir donc, le développement durable et pour lutter contre les problèmes dans le monde. Alors, donc, Africa Green Lady Day, c'est un événement qui est conçu comme un concours de projets féminins. Donc, les femmes vont venir avec des projets et chacune va défendre son projet devant un parterre de personnalités pour dire ce qu'elles veulent apporter si jamais elles sont reculées, pour que la communauté soit beaucoup plus propre, pour que nos routes soient sécurisantes pour nos piétons, pour nos enfants, pour les écoles. Et ce jour, on fera en sorte que l'ensemble des acteurs qui sont compétents sur la question du développement durable, aussi bien dans nos villes que dans nos, si vous voulez, les régions, ces personnes soient distinguées et prônées. Parce que si vous voulez avoir de la performance, il faut bien que vous puissiez récompenser les acteurs du secteur dans lequel vous êtes. Nous, donc, il y a deux choses. On va donc faire le concours de projet basé sur l'élégance, sur les tenues traditionnelles, sur les tenues de soirée. Et en plus, faire donc ce moment de distinction pour encourager nos concitoyens à s'intéresser à la question de l'économie.